Mercredi? Oui. D'accord. Enfin, c'est tout pour mardi. Mardi. Mercredi. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette conférence d'Ariane Thomas. Je dis peut-être quelques mots, France Nerlich, directrice des études et de la recherche à l'INHA, sur notre participation cette année aux Journées du patrimoine. C'est la première fois que l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA, on aime les acronymes, ouvre ses portes pour les journées du patrimoine. Et elle a ouvert ses portes pour permettre à la fois au grand public, aux collègues, aux amis, aux proches, de venir voir d'un peu plus près ce qu'on fait dans cet Institut national d'histoire de l'art, à travers des conférences qui sont cette fois-ci consacrées au thème de la porte, à travers d'abord cette grande porte monumentale de la porte d'Ishtar qui nous a permis d'entrer. C'est une œuvre qui a été choisie par un vote très démocratique qui avait été mis donc au concours. La porte d'Ishtar a été choisie et c'est à travers elle que l'INHA souhaite donc vous ouvrir ses portes pour ces journées du patrimoine. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans cet espace, Galerie Colbert. Demain, nous vous accueillons dans l'autre site de l'INHA, dans la bibliothèque de l'INHA, la salle Labrouste. Donc j'espère vous y retrouver aussi demain. Il y aura une exposition de pièces tirées des fonds, exposition éphémère, donc il faudra bien en profiter. Et on pourra entendre aussi quelques petits exercices d'érudition par de jeunes chercheurs qui vous présenteront leur sujet de thèse. Aujourd'hui, pour commencer cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Ariane Thomas, qui est docteur en archéologie orientale, conservateur en charge des collections mésopotamiennes au département des Antiquités orientales au Louvre. Elle a publié un nombre très impressionnant d'études savantes sur la question et elle a été chargée de très belles expositions l'an dernier au Louvre-Lens sur l'histoire qui commence en Mésopotamie, et elle a inauguré il y a quelques jours à peine, mardi, mercredi de cette semaine, au Louvre-Lens, une nouvelle exposition sur les musiques dans l'Antiquité. Donc là aussi, un très très beau sujet, évidemment c'est une invitation là aussi à aller voir ça au Louvre-Lens. Merci beaucoup Ariane Thomas pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc, m'écouter, vous parler des portes monumentales assyriennes, donc pas vraiment de la porte d'Ishtar, même si on va en parler. Alors, en préambule et en espérant ne pas me répéter, je rappellerai simplement qu'en acadien, puisque c'est une des langues les plus pratiquées pour les époques dont on va parler, on dit que la porte se dit Babou, ce qui doit vous rappeler aussi, pour ceux qui seraient familiers de l'arabe, le fait qu'il y a quand même un certain nombre de continuités. Il y a des continuités aussi dans le fait que les portes se retrouvent, comme aujourd'hui, dans les maisons, évidemment, dans les temples, dans les palais et aux portes des villes, de manière défensive contre les vols, les attaques, mais aussi, et on arrive dans un milieu qui, là, nous fait davantage sortir de sociétés plus modernes. Dans l'Antiquité, les portes assurent aussi des protections magiques contre des forces malfaisantes. C'est en tout cas considéré comme un lieu de passage qui a une très forte charge symbolique. Et par ailleurs, ça le demeure aussi, c'est un lieu de passage, c'est donc aussi un lieu qui va servir à la démonstration d'un certain nombre de choses, à commencer par la puissance des commanditaires qui sont souvent les rois et des dieux qui les soutiennent et à qui un certain nombre de ces portes sont d'ailleurs dédiées. Donc lieu de communication dont la plus célèbre est assurément, je pense, la porte d'Ishtar, qui a, si j'ai bien compris, valu donc un vote presque unanime pour cette année. Vous avez ici une reconstitution numérique de cette porte qui est à Babylone. Babylone, c'est-à-dire au sud de la Mésopotamie, donc ce territoire qui correspond grosso modo à l'Irak actuel,
au sud de la Mésopotamie, au sud aussi de la région assyrienne qui forme le nord de ce qu'on appelle la Mésopotamie. Alors, petit rappel simplement, ce dont je vais vous parler, à quelques exceptions et parenthèses près, date du premier millénaire avant notre ère, donc époque qui est celle notamment des grands empires mésopotamiens. D'abord l'empire néo-assyrien, où les Assyriens vont dominer une large part du Proche-Orient actuel depuis le nord de la Mésopotamie, jusqu'à la fin du 7e siècle avant notre ère. Leur chute est en partie liée, le fait des Babyloniens qui vont reprendre à leur compte une partie du territoire dominé précédemment par les Assyriens. C'est au cours de ce qu'on appelle souvent le grand 6e siècle avant notre ère que les Babyloniens vont enrichir considérablement donc leur empire, mais aussi leur capitale, Babylone, et édifier la porte d'Ishtar. Donc la porte d'Ishtar de Babylone, que vous voyez ici sur une peinture qui la restitue dans cette ville qui a aussi fait l'admiration de beaucoup dans l'Antiquité, va nous servir de point de départ pour parler de ceux qui les ont précédés et en partie inspirés, à savoir les portes monumentales assyriennes, qui, comme la porte d'Ishtar de Babylone, sont monumentale, ostentatoire et démontre la puissance du roi, de l'empire qu'il y a derrière. Néanmoins, il y a aussi toute une part de protection symbolique extrêmement importante et là encore, elles ont en commun, par rapport à un certain nombre d'autres portes, d'avoir une protection symbolique qui semble prendre le pas sur la protection défensive pratique de portes proprement militaires, par leur taille et leur décor. Donc, je l'ai annoncé, je commencerai par la porte d'Ishtar, que vous voyez ici restituée en peinture, mais qui n'a pas été trouvée dans cet état, d'autant plus que l'archéologie a révélé que c'était une construction relativement complexe qui avait eu 3 états successifs. Vous en voyez l'un d'entre eux sur des autochromes de 1927, très exceptionnels, mais ce n'est pas tout à fait cet état-là qui est le plus connu et qui est sur l'affiche du programme d'aujourd'hui, mais le troisième, celui qui est tout en couleur et qui a été remonté, puisque au départ c'était un puzzle énorme que vous voyez à l'écran et qui est ici donc dans les réserves dans les années début des années 30 à Berlin reconstitué patiemment par les chercheurs et restaurateurs d'ailleurs du Pergamon Museum de Berlin pour aboutir à ce que vous pouvez y voir désormais donc à Berlin ce troisième état fameux pour ses briques émaillées. Je vais pas m'apesantir, je crois qu'en plus on vous les a déjà en partie commentés et donc qui mettent en scène en grande partie des animaux à forte valeur symbolique, les animaux du dieu Marduk en haut, le mouchouchou, être hybride, et le taureau du dieu de l'orage Hadad, qui protège la porte donc d'Ishtar, Ishtar qui est appelée aussi cette porte, Ishtar qui écrase ses ennemis et qui donc glorifie aussi le roi protégé par la déesse. Alors, ça m'a servi vraiment simplement d'introduction, parce que cette porte d'Ishtar, telle qu'on vient de la voir, il en manque beaucoup d'éléments. Il manque ce que l'on sait par les textes, à savoir les gardiens, taureaux et dragons, qui en gardaient la porte, pas seulement en briques émaillées, mais aussi en sculptures que l'on n'a pas retrouvées. Il manque les battants de porte en cèdre, ses décors, etc. Donc on va plutôt les voir dans ce qui a précédé la porte d'Ishtar, avec quelques exemples donc, de portes monumentales assyriennes. En commençant donc par le décor déjà impressionnant de la porte 3 au sud de la ville de Khorsaba, donc sur le rempart, qui est ici en peinture, donc une peinture que vous pouvez admirer pour encore quelques jours au Louvre. Donc cette porte 3, vous voyez en haut le décor de briques émaillées. C'est effectivement pas à la même échelle que la porte d'Ishtar, mais il n'empêche qu'on pouvait également avoir des décors de briques émaillées beaucoup plus développés. Je vous montre ici ce qui a été trouvé à Nimroud et qui est au musée de Bagdad et qui rappelle également que donc non seulement les Assyriens ont également développé des décors de briques émaillées tout à fait monumentaux avec des compositions complexes et des motifs à valeur protectrice et à la gloire du roi, puisqu'on retrouve quand même le roi au centre du motif, mais également permettre d'évoquer la hauteur de ces monuments qu'on a trop souvent perdu, puisqu'on sait que les portes pouvaient aller jusqu'à 7 mètres de haut et plus, ce qu'on voit pratiquement
mieux, sans blague, au Louvre, puisque finalement, l'avantage du Louvre, c'est que c'est un palais parisien. Et même si l'architecture n'est pas du tout mésopotamienne, dans la cour Khorsabad, vous avez peut-être un peu plus l'évocation de cette hauteur extraordinaire qui contribuait aussi à cette impression de démonstration un peu ostentatoire de ces portes monumentales. Pour revenir à la valeur protectrice, elle était parfois... dans les portes assyriennes, particulièrement renforcées par les sculptures monumentales. J'ai évoqué les sculptures perdues de la porte d'Ishtar de Babylone. On a retrouvé largement les taureaux monumentaux, les taureaux magiques qui gardent les portes assyriennes. C'est ce qui est sans doute même le plus célèbre. Et ces animaux, alors ce sont des êtres hybrides, pour ceux de Khorsabad que vous voyez également sur la peinture précédente, ce sont des êtres qui conjuguent les pouvoirs donc du taureau, des oiseaux, de l'homme, et sont des êtres bienfaisants qui sont parfois en groupe. C'est ce qui est en partie évoqué sur ce dessin qui restitue ce qui avait été trouvé à l'entrée de la salle du trône de Khorsabad et qui est en partie évoqué, seulement évoqué, dans la cour Khorsabad que vous pouvez aller voir si vous voulez, même juste après. Alors on les appelle des Allahs de l'Amou et ces êtres magiques donc sont multipliés aux portes, dans les palais, dans les temples et également dans les villes. Je reviens à la porte 3. Vous voyez là en cours de dégagement. Et ça pouvait donner, alors ça n'est qu'un essai de restitution, mais un effet très monumental, avec ici un essai sur lequel il y aurait des choses à redire, mais qui vous donne une impression donc de tout ce que je viens d'évoquer, couleur, hauteur, protection magique multipliée, démultipliée, avec à côté des taureaux, des génies et autres êtres bienfaisants et protecteurs. Alors, à côté de ces briques émaillées et de ces sculptures monumentales qui prenaient place aussi bien donc à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur, et c'est pour ça que je vous ai mis pour évocation, parce que ce n'était pas très clair, sur le tableau de la porte 3 de Khorsabad, des murs, par exemple ceux de Ninive, ou en maquette, cette maquette qui est à Bagdad et qui représenterait des murailles assyriennes, ces portes, il nous manque la plupart du temps, c'est le cas à Khorsabad, comme à Babylone, les portes proprement dites, c'est-à-dire ce qui permet de fermer les portes la nuit ou à un moment où on a besoin donc de protéger cet espace de manière pratique. Alors, je vous montre ici un autre exemple bien connu. Dans la région assyrienne, sur le site de Balawat, ont été trouvés des vestiges en grand nombre, qui ne sont pas exclusifs. D'autres sites, comme Khorsabad ou Ninive, ont laissé des débris de ce qui était la porte, le battant de porte proprement dit. Mais là, on a un exemple particulièrement fameux, parce que particulièrement bien conservé. C'est donc l'une des porte découverte à Balawat, remontée, hein, le bois n'est pas d'origine, mais vous verrez qu'on en a quand même retrouvé suffisamment pour être sûr que c'était des portes de cèdre, bois précieux, donc, qui sont ici remontées au British Museum. Alors, avant de s'apesantir justement sur ces bois, petit rappel, c'est tout le système, en fait, qui fait la porte et qu'on a trop souvent perdu, ou alors on retrouve tous les éléments en négatif. Donc, tout sauf vraiment le bâton. Donc, ce schéma vous montre qu'on a trop souvent perdu à la fois, alors je ne parle même pas des structures architecturales avec des fouilles anciennes, mais la crapaudine, le pivot dans lequel, le pivot de porte qui tenait sur le gond, la contre-crapaudine attachant en haut la porte, le bâton de porte et évidemment les seuils qu'on a rarement retrouvés, il y en a quelques-uns, et qui pouvaient être dans différents matériaux, briques, pierres, métal, bois, etc. Alors, on a retrouvé quelques-uns de ces éléments. Je vous montre ici, venant de Khorsabad, la garniture de crapaudine dans laquelle on pouvait mettre et faire pivoter le pivot de la porte, et donc du bâton de la porte, et la contre-crapaudine qui permettait de l'attacher en haut. Il nous manque, en fait, la crapaudine sur laquelle vient la garniture. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de mettre cette vitrine qui était un assemblage d'éléments de différentes périodes pour montrer sur ce type de pierre donc enfouie dans le sol qui permettait de supporter ce type d'élément. Donc tout ce système-là est pas trop souvent retrouvé, encore moins les éléments de bois. Donc on revient à Balawat
pour voir ici, sur les fouilles de Max Malouane, exceptionnels vestiges donc de la porte en bois de cèdre qui a permis ensuite au British Museum de proposer la restitution que j'ai montrée précédemment. Alors il est évident que si les portes les plus ordinaires pouvaient, semble-t-il, être davantage faites en palmier et sens plus local et plus ordinaire, les portes monumentales qui nous occupent aujourd'hui pouvaient être faites avec des bois très précieux venant de loin, le cèdre étant, semble-t-il, parmi les plus privilégiés, donc du Liban. Pour vous montrer quelques autres exemples et puis faire aussi la publicité des collections que vous pouvez aller voir dès cet après-midi dans les salles, à côté de Balawat, nous avons aussi donc ces vestiges dont je vous parlais, mais qui sont bien moins nombreux à Khorsabad. Pour revenir, nous avons aussi, à côté même des vestiges, les textes des rois qui se glorifient de ce qu'ils ont bâti, et en particulier de ces portes monumentales, magnifiques, qui doivent susciter l'admiration et impressionner ceux qui les traversent. Donc là, vous avez une citation qui est due à Ashurnasirpal II, qui est l'un des rois à qui on doit les portes de Balawat dont on vient de voir une restitution, et qui se vante donc en disant: j'ai reproduit des créatures des montagnes et des mers en calcaire blanc et en albâtre, et je les ai placées devant les portes. Il parle donc vraisemblablement de ces sculptures monumentales bienfaisantes. Je les ai décorées d'une manière magnifique, je les ai entourées de clous de bronze. Il peut aussi faire référence, et on va le voir, au dépôt rituel qui prenait place sous les passages. J'ai mis en place des portes en cèdre, en cyprès, en genévrier d'Apranou et en bois mescanou, donc il fait référence à ces essences exotiques, et j'y ai installé quantité d'argent, or, étain, bronze et fer, donc les métaux précieux que j'ai pris en butin sur les territoires que j'ai dominés. Ce qui nous amène aussi à rappeler qu'effectivement, ce sont des démonstrations de la puissance des rois et de ce qu'ils ont pu réunir grâce à leur conquête. Donc on revient sur ces portes de Balawat. C'est dû à Ashurnasirpal II qu'on vient quasiment d'entendre et à son fils Almanazar III. On a retrouvé d'une part deux portes dans le palais qui sont celles restituées au British Museum et puis un peu plus tard dans le temple de Mamou, dieu des songes, d'autres vestiges qui eux sont davantage en Irak et qui ont été fouillés par Malouane, dont vous avez vu une photo de fouille montrant les restes de bois. Je vais vous montrer maintenant quelques détails de ce qui a été qualifié parfois de bande dessinée en métal, puisque avec force détail, comme sur les reliefs en pierre, vous retrouvez les épisodes des campagnes militaires de ces deux rois, à la fois donc la prise des villes, la destruction des portes de leurs ennemis, et ensuite, évidemment, les tribus qui ont notamment permis de réunir les matériaux qui ont en partie contribué ensuite à édifier les portes assyriennes cette fois, entre autres, hein, évidemment. Donc là, je vous montre un exemple du British Museum, assez sanglant, et d'autre part, autre scène de guerre avec un exemple du Louvre, puisque le Louvre a également quelques fragments provenant de Balawat. Et vous l'aviez vu précédemment, le texte, d'où l'idée de bande dessinée, accompagne parfois en petite légende pour bien rappeler où on se situe. Et puis globalement, vous comprenez aussi que tout ça glorifie le roi. Ce qui n'est pas particulièrement nouveau néanmoins, donc ce sera ma seule parenthèse hors du premier millénaire avant notre ère, pour rappeler simplement que dans l'épopée de Gilgamesh, le roi d'Uruk Gilgamesh se vante déjà d'avoir, d'une part, et c'est toute une aventure que je vous invite à lire, été coupé du cèdre du Liban après une victoire magnifique, en quelque sorte, sur un démon terrifiant, Humbaba, qui lui permet ensuite donc de discuter avec son ami, et c'est cette fois son ami Enkidu qui parle, en rappelant donc « Mon ami, nous avons coupé du cèdre géant, lui dont la tête perce les cieux. J'ai donc fait une porte dont la hauteur a 72 coudées, la largeur 24 coudées, donc insistant sur la monumentalité de ces portes, son épaisseur une coudée, sa penture, son pivot inférieur et son linteau sont d'un seul tenant, qu'on la porte à Nippur, Nippur ville sainte dans le monde sumérien, et que Nippur se réjouisse. » Donc ça
c'est un autre exemple un peu plus ancien de cette glorification du roi par ses conquêtes qui permet l'édification de portes qui ensuite vont réjouir certes son peuple, lui montrer sa puissance et réjouir aussi sans doute les dieux avec ici cet exemple de Nippur. Et j'ai mis en regard ce sceau cylindre acadien, donc de la fin du 3e millénaire, qui vous montre ici dans le contexte divin, c'est ce que j'ai entouré en rouge, une des battants de porte qui auraient pu être également ornés de ces potentiels plaquages. Et en tout cas, on retrouve au sommet l'évocation de ces gardiens, souvent des animaux hybrides, protégeant magiquement ces passages, qui, eux, sont très anciennement attestés, et particulièrement au deuxième millénaire avant notre ère. Donc, ça n'est pas particulièrement nouveau. En revanche, l'échelle devient tout à fait considérable à l'époque assyrienne. Et petite parenthèse aussi, en fait, ce que vous voyez sur le sceau, c'est le dieu Shamash. Les flammes lui sortent des épaules, le dieu du soleil. Et lui-même était d'ailleurs un peu lié aux portes, puisqu'on disait que chaque matin, il tranchait avec son couteau, que vous voyez dans sa main, les portes du ciel pour que la lumière jaillisse sur la Mésopotamie. Alors là, c'est un sujet sur lequel je vais simplement faire une évocation parce que ça pourrait être un sujet en soi. Évidemment que toutes ces constructions prenaient place dans une étiquette. Tout, n'importe qui ne passait pas à n'importe quelle porte. Et d'autre part, une architecture qui était souvent donc elle aussi conçue à la gloire des rois assyriens. Donc j'ai pris l'exemple avec le temple de Mammou dont on vient de parler à Balawat. Ces portes, vous voyez les flèches, prennent place dans un circuit, une déambulation, qui elle aussi devait contribuer avec ouverture ou fermeture des portes à une certaine, un caractère un peu impressionnant à la gloire des souverains. Alors, je ne sais pas si ça va être lancé, mais de toute façon, on n'a pas forcément le temps, et c'était plus pour en faire une petite promotion. En plus, ça n'a pas l'air de marcher. Je voulais, parce que bon, l'image précédente est intéressante, mais elle est un peu d'étude. En revanche, on a de plus en plus la possibilité de faire des restitutions virtuelles avec des vidéos formidables dans lesquelles vous pouvez vous immerger dans les palais et prendre la place presque du roi, parce qu'on vous ouvre toutes les portes, ce qui n'est certainement pas le cas dans l'Antiquité. Donc bon, là, je fais un effet tout à fait raté, puisque au Louvre, nous avons un programme qui permet de déambuler dans le palais royal de Khorsabad. Et donc, je voulais vous inviter à déambuler un tout petit peu. Mais enfin, bon, sinon, vous pouvez le voir en ligne sur le site du ministère de la Culture. Voilà. Alors, je vais peut-être accélérer, parce que... Voilà. Donc là, vous arrivez, mais vous êtes loin, loin des portes. Donc, on va aller assez vite dans le palais pour plonger. C'est vraiment plus un clin d'œil. Ce travail est de toute façon encore en cours. Donc, mais ça vous donne une idée. Donc, ces portes fermées qui peuvent s'ouvrir là pour entrer dans la salle du trône du roi Sargon II dans son palais à Khorsabad. On oublie souvent ces questions de circulation. Alors vous allez repasser une porte et puis je m'arrêterai là quand vous reviendrez dans la cour d'honneur. Voilà. Donc, pour le reste, je vous invite d'une part à aller voir en ligne et très bientôt, j'espère, dans les salles dans la cour Khorsabad au musée du Louvre. Aussi une autre parenthèse, cette édification des portes, vous l'avez compris, faisait appel à la réunion d'un certain nombre de matériaux précieux, mais également de main-d'œuvre. Et c'était aussi un exploit quelque part que d'édifier ces portes monumentales. Donc simplement pour rappel, les rois assyriens ne l'ont pas oublié dans leurs inscriptions, mais ils ne l'ont même pas oublié dans certains cas dans les reliefs eux-mêmes, puisque là vous avez des reliefs de Sennachérib. C'est un dessin qui restitue ce qu'on a pu comprendre d'un ensemble de fragments qu'on va voir juste après. Et il a donc souhaité faire reproduire dans son palais des scènes racontant justement l'édification, alors en particulier de ces taureaux magiques, monumentaux, qui étaient un petit défi. Donc voilà le détail d'autres scènes avec ces innombrables hommes qui
pour beaucoup pouvaient être aussi des tributaires, enfin, main-d'œuvre déportée, et qui déplacent ces taureaux jusqu'en Assyrie. On sait d'ailleurs qu'à mesure que l'Empire s'affaiblit, il n'y aura plus à la fin des taureaux monolithes comme ceux que vous pouvez admirer à Khorsabad. Voilà. Donc. En revanche, les taureaux me permettent de rappeler que, je l'ai déjà un peu dit, ces portes ont une valeur magique. Ils sont là pour protéger également, puisque ces lieux de passage sont des lieux de passage à tout point de vue. Donc plus, disons, affaiblis en quelque sorte par rapport aux potentiels esprits malfaisants, donc pas seulement dans le cadre pratique des guerres. Elles sont donc protégées, ces portes, d'une part par des noms magiques qui les renforcent encore un peu et souvent aussi glorifient là encore la puissance du roi, mais elles sont protégées aussi par un certain nombre, enfin un dispositif qu'on ne voit pas forcément et qui font l'objet de rituels. Donc je rappellerai que sous ces portes, on retrouve des dépôts de fondation. On a vu en grande partie Balawat, donc sous le temple de Mamou, ont été trouvées ces tablettes qui, en même temps qu'elles protègent dans le texte, donc c'est une forme de prière, maudissent ceux qui pourraient y porter atteinte et glorifient aussi, encore une fois, le roi, en rappelant bien, en l'occurrence, que c'est Ashurnasirpal II qui a fait ce travail, qui a réuni les matériaux et qui a édifié le temple et ses portes. On a aussi d'autres exemples, avec par exemple ce squelette de gazelle qui est enterré dans le passage P du palais nord-ouest à Nimroud. Ou, et alors là c'est très connu également, des figurines d'êtres magiques. Alors je ne m'appesantirai pas sur ce que sont les Abkalous qui sont des bienfaiteurs de l'humanité dans la mythologie mésopotamienne, sous un passage à Ashur, la ville sainte de l'Empire assyrien, et qui sont tout à fait comparables, en tout cas dans leur utilité magique, aux dépôts que l'on a retrouvés sous les passages à Khorsabad, et vous pouvez là encore aller voir dans les salles, j'ai mis que quelques exemples de ces figurines en argile et des bijoux, donc des pierres à valeur plus ou moins magique qui pouvaient être déposées. Et enfin, ce qu'on ne voit vraiment jamais, puisque, parenthèse, les dépôts que je viens de vous montrer étaient cachés sous terre, mais l'architecture d'argile assyrienne, mésopotamienne plus généralement, imposait souvent des réfections régulières, et les successeurs avaient quand même des chances de retrouver les dépôts et pouvoir ainsi d'ailleurs commémorer leurs prédécesseurs. En revanche, ce que je vous montre là ne se voit finalement, et pas facilement d'ailleurs en plus, que dans les musées, puisque ce sont les inscriptions qui sont gravées à l'arrière des taureaux magiques, donc des taureaux monumentaux des portes assyriennes. Ici, c'est l'inscription à l'arrière d'un des taureaux de la porte 3, qui est donc dans le passage du musée du Louvre. Au Louvre, on a souhaité, au moment du Grand Louvre, préserver une possibilité, certes pas évidente, parce que ça n'est pas dans le circuit grand public, mais néanmoins, elle est possible, de voir ces inscriptions. Inscriptions qui reprennent ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir donc une forme de prière à la gloire du roi et maudissant ceux qui pourraient porter atteinte à son œuvre. Et ceci nous amène aussi à nous rappeler que ces portes ont vu un certain nombre de processions rituelles se dérouler à travers elles, enfin en tout cas les traverser. Et là vous avez un dessin de Walter André qui évoque les processions rituelles à Ashur. Alors je pense que... comme on a un temps un peu limité, je terminerai en revanche parce que les Assyriens sont si connus pour la beauté de leurs représentations, leurs portes monumentales, mais aussi les représentations qui se trouvent dans les salles une fois qu'on a passé les portes, si on y a été autorisé. Et donc je vous ai fait une sorte de petit choix, parce qu'il y en a vraiment énormément, aussi bien sur les reliefs en pierre que sur les bandeaux en bronze qui ornaient les portes, que sur les briques émaillées ou les peintures et j'en passe. Donc là j'ai fait une toute petite sélection sur les reliefs monumentaux de représentation de ces portes. Alors évidemment ce sont souvent davantage les portes des villes qui vont être prises par les Assyriens.
comme ici sur ce relief d'Ashurnasirpal II, comme aussi ici sur ce relief dont la ville est discutée, mais qui vous montrerait la ville d'Arbel, qui est au Louvre. Donc vous pouvez aller le voir et regarder tous les détails qui sont peut-être visibles sur le dessin, mais qui est un peu petit, cette fois donc sous le règne d'Ashurmanipal. Et également, alors là c'est un détail, j'ai mis le dessin parce que c'est nettement plus lisible, qui est assez rare et qui vous montre sous le règne d'Ashurbanipal, non seulement les portes, vous venez d'en voir, mais très clairement donc ces taureaux monumentaux qui participaient pour beaucoup à la protection et à l'ostentation de ces portes qui, vous l'avez compris, donc protégeaient davantage magiquement et glorifiaient le roi qu'elles ne servaient, pour les portes monumentales, à une protection défensive stricte, et c'est donc pas un art militaire, mais vraiment un art monumental et magique que je vous ai montré un peu rapidement. Alors, pour terminer, et de nouveau, parce que je pense qu'il faut se mettre à la place de ceux qui ont passé peut-être le plus de temps, c'est une image captée de la visite virtuelle que vous avez entreaperçue, parce que nous avons souvent retrouvé, et pas seulement d'ailleurs sur les portes monumentales assyriennes, au pied des portes, des traces des gardes qui pouvaient s'y ennuyer et qui pouvaient donc y jouer. Donc, au pied d'un des génies qui faisait partie de ce dispositif décoratif et protecteur autour de la porte 3 de Khorsabad, eh bien, au pied de ce génie, on a retrouvé, alors vous ne le voyez pas très bien, mais là encore, allez voir au Louvre, on voit ici gravé un jeu de 20 cases, une sorte de jeu de loi, dont vous avez ici le dessin, et qui permettait donc sans doute de passer le temps. Pour conclure, j'espère que ça vous aura permis d'envisager en quoi on peut considérer que les portes monumentales assyriennes, dont vous avez vu quelques exemples, ont sans doute en partie inspiré la porte d'Ishtar, qui est une réalisation en elle-même par ailleurs originale et particulièrement monumentale. Mais la taille, le décor, l'importance donnée aux portes monumentales dans la région assyrienne a quand même sans doute contribué à la réalisation de la porte d'Ishtar, qui elle-même a été copiée, avec ici un exemple trouvé récemment, donc un exemple antique à l'époque perse, les Perses étant l'empire qui succède à l'empire babylonien, sur le site de Tol el-Ajouri, avec une sorte de réplique de la porte d'Ishtar qui continue jusqu'à nos jours, puisque vous pouvez aussi aller à Shenzhen en Chine, où il y a un parc où vous pouvez traverser la porte d'Ishtar, donc pas seulement à Babylone. Et puis sinon, vraiment pour conclure, les portes monumentales assyriennes, elles ont aussi une histoire particulière, puisque en particulier pour Khorsabad, la porte 3 de Khorsabad, c'est un peu par là qu'on est entré dans l'Antiquité orientale, dans l'Antiquité mésopotamienne en tout cas, puisqu'au milieu du 19e siècle, c'est par là que les fouilles ont commencé pour la toute première fois. Et vous avez ici un calotype des années 1850, qui est aussi par ailleurs, peut-être même, on devrait vérifier, mais sans doute, la première photo archéologique, en tout cas en Mésopotamie. Donc vous retrouvez la porte 3 que vous aviez vue en peinture précédemment. Cette porte, elle a été transportée au Louvre, elle a suscité des mouvements de foule d'après la presse du 19e, comme vous le voyez avec une gravure du magasin pittoresque. Alors elle a déménagé au moment du Grand Louvre, mais malgré tout, vous voyez que le dispositif reste, que même si ce n'est pas dans la même salle du Louvre, entre cette image en 1847 et cette image aujourd'hui, donc vous pouvez y aller cet après-midi, vous pouvez toujours traverser la porte 3 de Khorsabad, qui a elle-même inspiré beaucoup de choses, et je ne citerai que trois exemples, avec dès 1851 Assyrian Court dans le Crystal Palace à l'Exposition Universelle de Londres, avec ici, alors c'est un peu plus triste, le tournage abandonné du film Intolérance, et puis le musée de Bagdad qui a une sorte de décor entrée monumentale, pas totalement entrée pratique, qui reprend en grande partie ce que vous avez d'ailleurs vu précédemment, à savoir la restitution rêvée des fouilleurs français du 19e à Khorsabad, imaginant ce que pouvait être la façade d'une de ces portes monumentales de Khorsabad. Donc merci beaucoup. Un temps aux questions. Merci à vous, Ariane.
qu'il y a des questions. Peut-être, il y en a. Peut-être une question concernant les fouilles, justement les missions qui ont été à l'origine de la découverte. C'était des fouilles qui étaient menées par des équipes venant de France ou d'Angleterre, parce qu'on a vu des pièces qui étaient aussi au British Museum. Oui. Donc comment ça s'est passé? Alors c'est une toute autre histoire aussi. À partir des années 1840, les Français et les Anglais, on pourrait dire très concomitamment, on peut jouer à qui a eu la première date, mais en gros, il y a des collections anglaises au tout début du 19e qui suscitent l'intérêt de savants français. Il se trouve que ce sont les Français qui, dans les années 1840, vont réellement mettre les premiers coups de pioche, mais ça se joue à quelques mois à peine, avant que les Anglais, eux aussi, ne se mettent à fouiller dans la région assyrienne. Donc sur les sites Khorsabad, Ninive. À partir de là, donc, ils vont révéler, français et anglais, des vestiges, dont les portes tout à fait monumentaux, qui vont susciter une grande admiration. Et alors qu'au départ, ces travaux étaient l'objet de diplomates qui étaient en poste là-bas, sachant que c'était sans doute une région beaucoup moins... compliqué, mais avec des postes peut-être moins prenants qu'aujourd'hui. C'est aussi à cette époque une région de l'Empire ottoman relativement provinciale, quand bien même il y a une relative insécurité par zone. Par conséquent, on peut aussi comprendre qu'ils se soient intéressés, c'est tout un mouvement, tout un état d'esprit, à ces vestiges archéologiques. Donc au départ, ce sont des initiatives quasi personnelles issues de l'intérêt de milieux savants dans lesquels ils évoluent. Donc étant en poste là-bas, ils vont faire des fouilles, révélant ces vestiges tout à fait monumentaux, ça va prendre une autre ampleur et les musées vont entrer dans cette histoire très rapidement, Musée du Louvre et British Museum. Et à partir de là, c'est une correspondance qui est d'ailleurs très amusante aussi, de voir que à la fois il y a une compétition et en même temps ils se sont mutuellement aidés, puisque par exemple, le tout premier fouilleur, Paul-Émile Botta, découvrant Khorsabad, envoie ses vestiges au Louvre, c'est l'ouverture en 1847 du musée assyrien, vous avez vu la gravure. Mais il n'empêche que la suite des fouilles à Khorsabad n'est pas totalement assurée. Le fait même d'avoir un remplacement pour Paul-Émile Botta à son poste consulaire dans le nord de la Mésopotamie n'est pas assuré non plus. Et on sait que c'est en grande partie parce qu'un ministre de l'époque a visité la toute nouvelle galerie assyrienne du British Museum et était un peu épaté par le nombre de choses qu'ils avaient pu rapporter, qu'il a été décidé d'envoyer Victor Place, dont vous avez vu ensuite la publication, qui a donc pu continuer les fouilles à Khorsabad. Donc on pourrait dire, certains parlent de rivalité courtoise, qui a aussi servi d'émulation et qui a permis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a beaucoup vu des œuvres du British et du Louvre, au Louvre et au British Museum, d'être quand même des collections tout à fait exceptionnelles dans le domaine assyrien. Alors vous avez vu, on vous l'a dit, ensuite entreront dans la course d'autres puissances et on a parlé de la porte d'Ishtar comme point d'entrée qui est une fouille exemplaire des équipes allemandes qui vont arriver un peu plus tard dans cette histoire mais qui vont rattraper beaucoup beaucoup le fait de ne pas avoir été dans cette première équipe des pionniers. Vous nous avez mis l'eau à la bouche tous ce matin avec les briques émaillées. Technique nouvelle. Je vois que même pour les Assyriens, il y avait déjà de l'émaillage. Est-ce que vous pourriez nous développer? Est-ce que c'était une technique mise au point localement ou elle est venue peut-être par d'autres voies de l'Asie? Merci. Alors, je ne me suis pas appesantie là-dessus. On a des briques, des décors de briques monumentaux qui peuvent être moulés, qui peuvent être en relief, qui peuvent être émaillés dès le deuxième millénaire avant notre ère. J'ai juste évoqué le fait qu'un certain nombre des éléments de décor ne sont pas si nouveaux, c'est plutôt l'échelle qui est nouvelle. Et c'est exactement ça pour les briques émaillées, c'est-à-dire que si on en rencontre précédemment, et déjà à une assez grande échelle, les Assyriens, on le sait, et on parle d'ailleurs dans leur texte, ont recouvert leurs murs de briques émaillées. Peut-être aussi la chronologie des fouilles que je viens d'évoquer peut l'expliquer. Paul-Émile Botta ou Victor Place nous disent que
ils s'en plaignent pas, mais enfin, ils trouvent des briques émaillées partout à Khorsabad. Simplement, alors la ville est restée inachevée, c'est les toutes premières fouilles. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'ils vont en rapporter certaines, mais on n'en a pas tant que ça. Et on n'a pas, nous, de quoi faire le puzzle de la porte d'Ishtar à Babylone. Fouilles qui vont arriver ultérieurement et avec des méthodes qui vont être d'ailleurs assez novatrices pour l'époque. Par conséquent, il faut vraiment imaginer qu'on puisse avoir, y compris dans les capitales assyriennes, des murs entiers recouverts de frises en briques émaillées. Pas tout à fait pareil, mais à l'exemple de ce qu'on connaît pour la porte d'Ishtar, puisque vous savez, ça, je pense que ça vous a été expliqué, qu'au-delà même de la porte, la voie qui traverse cette porte est ornée sur ses deux côtés de frises, de briques émaillées. On a les arcs, enfin, on a déjà tout le système. Mais c'est difficile à restituer parce qu'on n'a pas les emplacements exacts. Donc, j'espère que je vous réponds, mais en gros, je considère en tout cas que du point de vue de la technique et des localisations, la porte d'Ishtar reprend vraiment l'étendue de ces décors de briques qui allaient souvent d'ailleurs au-dessus des reliefs et qui devaient compléter le tout en couleur. Mais quelle que soit l'époque, pourquoi on fit en œuvre cette technique? Ah, parce que c'est leur ressource. On a de l'argile, on a de quoi les peindre, c'est pas très compliqué dans l'absolu. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, alors je ne m'apesantirai pas sur les briques allemandes, mais sur les briques que l'on conserve au Louvre, c'est très intéressant de les regarder de près, je vous invite à le faire. J'espère d'ailleurs qu'on pourra remonter un panneau monumental de briques émaillées dans la cour Khorsabad du Louvre pour l'évoquer et que vous voyez ces briques, puisque quand vous les regardez, c'est tracé très vite. Ça devait vraiment être très simple de couvrir des surfaces tout à fait importantes. Une question peut-être pour prolonger celle sur les... sur ces... briques émaillées. Vous avez attiré notre attention sur des textes qui évoquent donc des figures en albâtre, etc. Vous avez attiré notre attention sur une bande dessinée sur métal. Est-ce qu'il y avait aussi, et surtout vous nous avez dit que c'était des portes magiques et symboliques, est-ce que les matériaux eux-mêmes sont porteurs de symboles, de qualités qui leur sont accordées dans ce système de magie, de protection et de glorification? Alors j'ai évoqué rapidement que les pierres déposées peuvent avoir une valeur magique. En revanche, en dehors de ces dépôts rituels, il semblerait davantage que les matériaux utilisés à l'extérieur, donc dans la porte, les bois, les métaux, les pierres, reflètent davantage cette idée ostentatoire de démonstration de puissance, capacité à réunir tous ces matériaux. Ce qui va d'ailleurs aussi probablement dans le discours des pierres qui peuvent être réunies dans les bijoux qui sont offerts dans les passages, puisque on retrouve des pierres d'un peu partout dans l'Empire et même au-delà. Donc c'est aussi une manière de montrer qu'ils contrôlent les voies de circulation et qu'ils ont la capacité de rassembler des matériaux qui coûtent cher, qui viennent de loin et que seul un empire quelque part peut fédérer. Oui, pour compléter simplement et pour répondre aussi à votre question et pour compléter le propos de ma collègue, l'usage de ces briques cuites et en particulier de ces décors protège tout simplement les murs. C'est-à-dire qu'il faut être allé un jour, même aujourd'hui, avec les briques émaillées qui décorent encore certaines mosquées, etc. Ça a aussi d'extraordinaires qualités du point de vue de la résistance, aussi bien à l'eau qu'au sel en particulier. Et depuis le 4e millénaire avant notre ère, l'usage de décors en briques cuites et en carreaux cuits ou en clous aussi d'ailleurs cuits permet de protéger, dans le cas de la porte d'Ishtar par exemple, le tout est liaisonné avec de l'asphalte et du bitume. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais ce matin à propos de l'eau, c'est extraordinairement efficace pour résister à tout ce qui est remontée capillaire, tout ce qui est problème lié à l'humidité aussi. Ça joue un rôle extrêmement important. Et les murs en briques cuites sont déjà très bien protégés, mais les mailles, vous le savez tous, c'est un matériau particulièrement résistant, notamment aux effets d'abrasion des vents de sable en particulier. Ce qui fait qu'elles tiennent très bien le coup, en fait. Encore, juste une petite dernière par rapport à l'épopée de Gilgamesh.
La dernière phrase, il faut donc la porter à Nippur. Est-ce qu'il y avait une procession ou un rituel aussi autour de l'installation des portes en bois à l'intérieur de ces portes monumentales? Est-ce qu'on a des sources là-dessus, en dehors des processions qui pouvaient avoir lieu par la suite dans les palais? Est-ce que la porte elle-même était déjà l'objet d'un rituel ou d'une mise en place solennelle et ostentatoire? Alors là, cet épisode, on en a parlé brièvement, justement, avec des collègues qui travaillent sur les textes, parce que je leur posais la question. Donc, l'épisode dans l'épopée de Gilgamesh, cet épisode leur semble justement évoquer ces cérémonies qui devaient nécessairement avoir lieu, parce que de toute façon, la mise en place des dépôts rituels fait l'objet de cérémonies que l'on connaît, qui sont décrites dans des textes, alors pas nécessairement exactement des périodes de chacun des dépôts rituels que je vous ai présentés, mais enfin, on le sait. En revanche, s'il y a des textes qui décrivent, et j'en ai cité un, mais il y en a beaucoup d'autres, la mise en place des portes sur des cérémonies précises, je ne saurais pas vous dire exactement. Non, on a davantage plutôt l'inauguration, l'ouverture de ces monuments. Dans le cadre des Assyriens, on a, et ça vraiment, alors de nouveau, je pense que vous pouvez tout à fait les lire, hein, c'est extraordinaire, des cérémonies d'inauguration qui vont à un moment parler de la mise en place de tel ou tel dispositif, donc des portes, etc. Mais pas précisément en tout cas. Parce que la plupart du temps, de toute façon, quand vous mettez en place une porte, je vais être un peu pragmatique, mais ça va avec l'ensemble du bâtiment. On a des textes sur l'inauguration des bâtiments, voire carrément de la ville entière. Merci beaucoup. Merci Ariane Thomas.